Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Je vous dis bienvenue sur la page pour là qui c'est Life is Good. Et là, nous disons Life is Good. Tout le monde qui s'allie déjà. C'est la vie en image, la vie en beauté. Au grand espoir même qu'à supporter, nous depuis que de loin, toute famille, tout le monde qui est toujours ensemble avec nous. En pile love pour nous. Je dis à nous venir pour Bet Code, nous venir pour pronostic sur Life is Good. Et avant de commencer à entrer dans les détails, on salue quelques monde qui toujours ensemble avec nous dans les commentaires, qui toujours dans nos love là. C'est grâce à votre travail là. À continuer fait. N'a pas salué James Kenny qui toujours ensemble avec nous. Papa da guerrier, n'a pas salué Petro Negokai, ok, n'a pas salué Kinsley Brutus, en pile love. Ralph, petit frère, ok, Stevenson. Lolo Lucien qui toujours ensemble avec nous, Andy Saint-Louis, nous gain Hakim Negokai, nous gain Olivier Joseph, OK, nous gain Fegens, nous gain James, nous gain Tipistol comédien en pile love, nous gain Betania Betou, OK, nous gain Golden Warriors Negokai, nous gain Wesley Designer, nous gain Bikaji à la prod, nous gain Walniak, ok, bijou, nous gen King Flo, nous gen Nazer, nous gen Ralph Sa, nous pouvons citer ça seulement. Un peu love pour nous. Et m'espère de merci, bon Dieu, vle, n'a pas salué plus moun et plus nouveau moun qui fait partie des familles, n'a pas hésité à quitter un commentaire pour nous voir. Salutations pour vous. Pour résumer, des bêtes que nous avons partagé, nous avons des fiches et des matchs qui ont passé. Excusez-moi, nous avons Real Madrid, l'année dernière, nous avons des équipes là-dedans. Nous avons Gol Sevi, dans la fiche que nous avons partagé vendredi, si nous battons bim, qui ont passé, ok. Et à savoir, je me disais quelques pronostics, je me partage hier, je me disais que le pouce casse ou bien 1.5, nous avons 1.5 en Middlesbrough, Stock City, et nous avons parlé de victoire Copenhague ou bien 1.5 individuel Copenhague. Ça qui passe, tout passe. Pour demain, si bon Dieu voulait, et nous avons une belle liste là maintenant, pas trop, parce que les gardes, moi, je me disais que je venais en paquet d'équipe, mais les gardes, moi, analyse, je me disais que je fais vendredi, ensemble avec samedi, je me disais que un paquet de belles analyses, je dis que je viens avec à peu près 7 matchs. Pour nous pronostiquer ensemble, ok, nous avons un premier match nous qui c'est Oosterkerk qui a joué ensemble avec Nuremberg, un très bel match côté que moi Oosterkerk a bien frappé, Nuremberg a bien frappé match ça joue à 8h, bonnet 8h dans le matin, so, on pense ensemble avec 1.5 goal dans le match ça, début fait les ça en tête là, il pas vraiment efficace non mais il y a plus fanatique qui dit non faut laguer bonnet reprendre ça mesoulan sur nous on tient venir plus bonnet aujourd'hui par rapport avec l'enlève qu'on paraît OK Oosterkerk là nous gain 1.5 goal nous gain Sturmgaz qui a joué ensemble avec Austria Wien et Sturmgaz qui pas mal du tout dans moment dans championnat en tête championnat et ensemble avec 27 points si me pas trompé et équipe qui vient de la c'est Red Bull et qui vient d'elle côté qui moi Austria pas mal frappé tout nous mais bon ça sera avec 1.5 goal dans match ça si 1.5 n'a pas gagné sur lui nous allons aller pour 1.5 individuel Sturmgaz de Messi bon Dieu veut me penser qu'a passé victoire Sturmgaz tout qu'a passé Sturmgaz ça supposé mettre dans valet demain après ça nous gagne PSV Eindhoven qui a bien frappé dans moment Ajax qui pas soin dit tout bon ça ensemble avec une victoire PSV Eindhoven ou bien 1.5 individuel PSV Eindhoven de Messi bon Dieu veut après ça nous gagne Rayo Vallecano qui a joué ensemble avec Real Sociedad Rayo Vallecano 5 derniers matchs, je ne sais pas qu'on perd, non, dans 5 derniers matchs, joué. Et la Sociedad perd un seul match, dans 5 derniers matchs, joué. Et la Sociedad fait 4 victoires dans la Liga. À sa fois, la Sociedad se bat, même qui se passe, mais sous. Et Benfica est à 0. La Sociedad, une belle équipe de football, là, mais la Vallecano joue bientôt. Je pense avec un goal, la Sociedad, ou bien, moins 3.5 goals dans le match. Après ça, nous avons Fenerbahçe, qui est une dizaine de matchs. Il beaucoup de gens perdus. Victoire seulement, même mon match, il est beaucoup fait. So, demain, si bon Dieu, je pense ensemble avec victoire ou bien 1.5 individuel. Demain, si bon Dieu, après ça, nous avons Feng Varos et qui a frappé dans le moment. Utpest a bien frappé tout. So, demain, si bon Dieu, je pense ensemble avec 2.5 goals dans le match, ça ou bien des équipes. On va chercher une plus belle côte. Non, Feng Varos là. Internet là, pas trop bon. Peut-être là, pas trop bon que ça. Dernier match, Utpest. Non, c'est Jean-Fauquet. Je vais battre les potes 4-3. Match à Belle, mais si bon Dieu voulait, je pense que ça a mis des équipes pour 2.5 goals dans le match. Donc, j'ai 12 plus 1.5 tours. Après ça, dernier match, c'est Porto. Porto a deviné avec déjà, même tout, on est venu ensemble avec. Si 1.5 dans Porto, minimum, 20-25, on a frappé. Ou bien, 1.5 individuel Porto. Si vous avez une victoire Porto, déjà, je pense que c'est le café à faire demain. Si bon Dieu voulait. Après ça, un petit résumé pour. Analyse nous te fait et nous te gagne Manchester City me débranche à 1.5 Manchester
pour ça tout cas là 12 même pour ça 1.5 dans match ça Liverpool a bien frappé et bah voilà en Espagne non bah là, en France je pense ensemble avec un goal Monaco en France goal yo ouais en Italie goal Roma tellement haut tout bah quoi lui en bat Marseille non goal Monaco demain c'est bon Dieu mais quand on fait un paquet d'analyses déjà sont un petit gens fatigués au moment de samedi là parce que nous faisons pile d'analyse nous gaspillons pile même pas du gaspiller mais nous bah pile d'énergie comprends pendant week-end non parce que nous gagnons pas au cap jeudi mais c'est bon Dieu voulait Molde FK et pas au cap je lundi Molde FK moi Molde FK non Molde FK gagne là je lundi tout nous dans supposé frapper sur eux on fait OK so bet code ça m'a partagé à mezzo la faveur pour moun qui te fait deux bet code nous te partager parce que m'te toujours gain Porto a m'te gain victoire Porto là m'vinn à 1.5 individuel et Real Sociedad là m'bat ko gain l'homme vinn ensemble avec et nous gain Napoli m'te gain double chance Napoli non fiche m'te gain goal Napoli non l'autre je dis m'vinn avec moi 3.5 goal dans match OK so fiche ça mezzo la faveur pour moun qui te fait deux premier bet code yo OK et après ça nous gagne Inter m'te gagne goal Roma m'vinn avec moi 3.5 goal dans match parce que c'est l'app difficile pour gagner 4 goals pour Roma pas marquer au minimum m'vinn avec moi 3.5 goal dans match m'gagne victoire fini battre ou bien 1.5 individuel fini battre m'te kavin avec après ça m'gagne victoire sur Mgaz Mgaz ça m'prend pour bacote là un petit genre j'arrête pour prendre ça m'jou là moi sur Mgaz pas mal la frappe dans moment m'vape victoire sur Mgaz et puis nous gagne Ajax qui passe ou rien mal pour victoire PS 22-20 et puis nous gagne Manchester United face City là parce que bah mais je joue un paquet de matchs comme on dit samedi là et une raison que fait me venir avec un bel match avec un but des équipes pour bah écoute là plus j'arrête même j'assume avec Storm Gaza bet code là vient 11 OK so on a partagé excusez-moi on a partagé et bet code là pour nous aller pas oublier like vidéo ça partager là avec vos amis en famille inviter le venir suivre page 206 254 OK c'est quoi c'est quoi à nous camper pour demain si bon Dieu veut OK son boss qui fait ça le mélange ensemble avec et analyse de te fait hier ensemble avec avant et on pense que n'a pas un bon résultat pour week-end là quand même m'a dit tout le monde la prochaine rendez-vous demain si bon Dieu veut pour une belle analyse sur Life is Good parce que l'en ça là on t'a supposé ça célébrer un bête code quand même cap bien passé OK à la prochaine bye.